Et bonjour tout le monde, c'est Thomas, on se retrouve pour un nouvel épisode de AM2R. Et oui, t'es là, je pense. Ouais, c'est ça. Donc, on continue la partie. Et je sais plus où on devait aller. Ok, c'est bon, je me souviens. Et hop, on fonce. Et on se fait frapper. Là, j'ai toujours pas compris ce qu'il y avait comme trésor. Allez, 1, 2, hop, 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 et hop. Allez. On passe. Nickel. On descend. Je suis sur le bon chemin, c'est bon. Et il n'y a plus qu'à descendre ici. Parce que la lave est descendue, et ça, c'est bon. Allez, on regagne des PV. Là, on le voit le monsieur, hein. Oula, je l'avais pas vu. Ouch. Pourquoi t'as sauté, Samus? Bon, pas grave. On va à gauche. Il y a un checkpoint. On prend le checkpoint. Allez. Ça avance. Pareil, on tue le monstre. Méchant. Il fait mal. Ils font hyper mal. Ça, c'est pas cool. Parce qu'il me semble. Il me semble que même avec les missiles, on peut pas les toucher. Ah, là où on s'aperçoit que c'est bien profond quand même comme endroit. Et je crois qu'ici, il y a. Non, il n'y a pas de métroïde. Ouch. Voilà. Voilà. Aïe. Pas grave, ça fait moins mal. Heureusement que je suis pas tombé dans le crevasse, sinon je serais entièrement mort. Il y a 6 métroïdes dans la zone. Ok. Comment je vais faire ? Ok. Ok. Ah, c'est bon, je me souviens. C'est terrible, cette zone. Un complexe fonctionne à l'aide d'un réservoir de courant d'urgence. Lecteur thermique indique qu'il y a moyen un dispositif fonctionnel au cœur du bâtiment. Ok. Là, le checkpoint, hein, qui fait plaisir. Allez hop, on ressort du bâtiment, là on peut monter tranquille, hein. Là on peut pas monter justement, et allez, monte, Samus, parfait, ici il y a Metroid, ça se voit, ça se sent, ici il y a un pouvoir en plus, trop bien, mais c'est pas pour tout de suite. Non, il n'y a toujours pas le métroïde. Ok. Ok. Ici, il y a un truc. Bingo. J'aime pas trop cette ambiance quand même. Oh punaise. Ils ont l'air en parfait état, les trucs. Ils vont me bourriner la figure une fois que je. Si jamais je rallume le courant. Allez, hop. Allez, voilà. On descend. Ok. Ouais, c'est bien ce qui me semble rallumer le courant. Cette immense tour abrite un complexe de recherche de développement d'armes. Les robots patrouillant à l'intérieur sont des drones de combat équipés avec des prototypes d'armes et des boucliers blindés. Avancé. Les astuces d'une IA supérieure, ils sont programmés pour tirer sur n'importe quelle cible vivante. Garde la tour stérilisée de toute manière de toute matière organique très efficacement. Agissez avec précaution. Ok. Oula.
Effectivement, ouais. Lui, il me voit, il veut me tuer. Vas-y. Ah, c'est bon. Allez, là, ça monte, ça monte. Hop. Nickel. Oui, c'est très simple, faut faire comme ça. Aïe. Ça me dit quelque chose cette musique. Ça ressemble un petit peu au cafard de Magmore. Aïe. Par contre, ça c'était pas cool. Bien, j'ai perdu autant de 5 PV. Waouh. Ils sont violents les. Merde. Les trucs. Et là, il y a l'ennemi. Je m'en souviens de lui. Scan des mécanismes. Le testeur. Cette unité. Réalise des tests à 360 degrés de prototype d'armes. Les scans indiquent que l'armure extérieure résiste aux rayons tandis que l'intérieur est protégé par un champ de force qui repousse les projectiles solides. Les systèmes de réparation automatique dans les canons peuvent réparer les dégâts en quelques secondes. Les schémas relèvent de ces systèmes ont été appliqués à cause de l'ancien modèle de canon exposé à des tests excessivement violents. Tout comme votre combinaison de puissance, le design modulaire de cette unité permet l'ajout de et le retrait d'équipement. Ok. Là, pas le choix, super missile. Ouah, il fait les spin dash. Comment je pouvais savoir qu'il fasse des spin dash? Ah, ça fait un moment que j'ai pas joué, hein. Je préviens. Et hop, 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 hop. Allez, hop, tu sautes. Aïe. Il fait vachement mal en plus. Par contre ça joue bien les super missiles. Merci. Ah il y en a qu'un seul. Bon c'est pas grave, c'est déjà pas mal. Allez. Oula. Allez, vas-y, on prend tout, c'est bien, merci. Là on va faire les spinach, je le sens. Ah non. Aïe, punaise, punaise. Il est hyper fourbe. Ok. Il est bien puissant le gars. Voilà. Je reprends les missiles. Aïe. Ok, je dois me mettre sur le bord. Ok, ça c'est un rayon, ça c'est des rayons d'onde comme le mien. Descends, bien, c'est bien. Allez, voilà. Ça se voit que c'est un mécanisme Chozo, il fait comme moi. Et c'est même pas Dark Samus. Voilà, hop, je remets mes super missiles. Voilà, voilà, tu prends ton super missile et tu le balances. C'est bien. Ok. Bon, par contre, c'est pas cool que ça touche pas tout, mais bon. On peut pas tout faire. Par contre, plateforme, merci. Merci, ça fait du bien des PV. Punaise. Méchant. Et j'ai pas besoin de tout autant de missiles. J'ai besoin des super missiles. Ok. Ok. Rebul, je crois qu'ici je suis à peu près en sécu. Aïe. Ouch. Effectivement, il est bien puissant. Oula. Allez, oui, des super missiles. Merci. Bon, par contre, voilà,
Si je peux éviter tout ça, ça m'arrange. Tu peux redescendre. Ouais, aussi. Tant que tu me fais gagner des PV, moi c'est sympa. Hein. Et il recommence les bébules. Ok. Mais mince, je voulais pas balancer ça, moi. Ok. Voilà, I object sur tout. Punaise, j'ai même gagné les PV comme ça, c'est magnifique. Allez. Voilà. Allez hop, on balance un maximum de laser dessus. Hey, cool. Ok. Allez. S'il te plaît, arrête de vivre ce truc. Bon, et puis zut, hein. Voilà. Et voilà, c'est bon, ça aussi. Et là-tu. Vas-y, donne-moi plein de PV. Mais j'ai comme je l'avais pas combattu le truc. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. Oula. Heureusement que ça paralyse un petit peu ces trucs-là. Ok, là va falloir un item qu'on n'a pas encore. Cet item qu'on n'a pas encore, on l'aura bientôt. Ok. Et on passe. Et on a eu le rayon plasma. Par contre, j'ai pas vu ce qu'il faisait. Je suis désolé. Par contre, je partais par là. Non, même pas. Ah, ok. Je vois. Voilà. Il n'y a plus qu'à s'enfuir. Par là. On casse le petit bout là. Hein? Il va passer par où? Je suis bien rentré par là, non? Ah ouais, je suis bien rentré par là. Bon. Alors, ok. C'est le même chemin mais à droite. Ok. Là, il me semble qu'on pourra les battre. Ouais, c'est bon. Maintenant, ça traverse les murs, c'est ça. Avant, ça ne traversait que les ennemis. Ok, ici, il y a l'air d'avoir plein de métroïdes. Allez. On sauvegarde. Allez. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, on continue de monter, hein, même pas besoin de compter. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est trop bien en haut. Mince. Regarde à combien de temps de vidéo on est. 14 minutes, ok. Je pense que je vais tuer le métroïde et après je vais arrêter l'épisode. Allez. Ok. On va prendre ce garde là, ça me dérange pas non plus. Mais à gauche, on voit qu'un métroïde. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. À droite, un métroïde, je le sens. Ah, j'avais oublié qu'on pouvait faire ça. Et là, il y a le métroïde. Un peu dégueu. Ok.
Le Metroid Zeta. Après une considérable transformation. La puissance de son cœur et sa défense ont augmenté. Même si le Metroid Zeta ne peut l'éviter en raison de son pouvoir massif, ses nouvelles jambes sont suffisamment puissantes pour supporter son poids et se déplacer à grande vitesse. Ses bras peuvent donner des coups puissants et les glandes situées dans sa bouche lui permettent de projeter une substance extrêmement corrosive. Ces deux formes précédentes sont semblables à une phrase cristalline. L'abandon de l'exosquelette de Metroid Gamma a marqué le début du passage à l'âge adulte. Ah ouais, c'est vrai. Allez, hop, on utilise le super missile. En bonne raison. Et merci. Un super missile qui a servi à rien, yay. Yeah. Aïe. J'avais oublié qu'à quel point il était agacé le truc. Son sprite est tellement détaillé. C'est beau. Et comme d'hab, il n'y a que le missile qui marche sur lui. Aïe. Aïe. Mais arrête de me frapper aussi violemment, c'est pas gentil. Mais pas dans un coin. Me frappe pas dans un coin quoi, c'est méchant. Allez. Allez. Mais arrête. 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 Punaise. Là je suis mal barré. Voilà. Ah c'est bon, battu. On va prendre son énergie, merci. Voilà. Allez. On va au point de sauvegarde qu'on a vu tout à l'heure et après on va arrêter cet épisode. Surtout après ça quoi. Oh punaise, ça fait mal ce machin. Allez. On va ici. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. A plus tout le monde. Je vérifie que la partie est bien sauvegardée. Hein. Et là, quittez le jeu. Yep, je suis sûr. Allez, à bientôt tout le monde. Après, voilà. Si ça veut même pas arrêter la capture d'écran, ça va pas le faire. Ouais, à bientôt.